Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ces 48, 72 heures? Vous pouvez l'assurer, vous êtes Nantais jusqu'à la fin de saison. Aujourd'hui, Ludovic Blas. Ouais, bah, il s'est passé beaucoup de choses. Après, j'avais besoin de réponses en fin de semaine parce que j'étais dans la compréhension de ce qui se passait. Donc, il me fallait des réponses pour être bien dans ma tête et être à 100%. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que ça fait un peu de bruit en fin de semaine. Mais maintenant, j'ai eu les réponses et je suis à 100% Nantais. Ouais, ça s'est vu, hein. Ça s'est vu sur la rentrée, ça s'est vu dans les gestes techniques, ça s'est vu quand tu es passé sur le côté droit où tu as essayé de faire aussi la différence. À un moment donné, tu as manqué de lucidité, je pense que tu pouvais lui glisser. Ça aurait peut-être été aussi beau qu'un but. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. En fait, je voulais tellement montrer que j'étais à 100% avec ce club-là. Donc, je voulais montrer absolument qu'il n'y avait pas de problème sur ça et qu'il ne se pose pas de questions parce que je serai toujours à 100%.